Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Encore une fois, bienvenue sur le plateau des Fatah. Je suis en compagnie, donc bon, elles sont plus à présenter, donc de notre sœur Léa. Bonsoir. Léa, comment ça va? Ça va très bien et toi, Charles? Moi, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et bien sûr, de notre sœur Philippine. Philippine, comment ça va? Hello, je vais bien et toi? Super, super, super. Alors, comment a été votre semaine? Discutons un petit peu. Comment ça s'est passé? Alors, moi, pour ma part, je suis un petit peu fatiguée, c'est vrai, parce qu'en début de semaine, j'ai beaucoup travaillé. Okay. Et j'ai fait beaucoup d'heures et je suis un peu fatiguée. Et ensuite, en fin de semaine, on a eu notre retraite, qui d'ailleurs s'est très bien passée. Oui, oui, oui. Ça a été un peu fatigant, mais au moins, j'ai passé un bon moment et j'ai bien terminé ma semaine, justement. Super, super, super. Et toi, Philippine? Moi, de mon côté, ça va, ça va. Comme Léa, un peu fatiguée, mais bon, avec tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ça va de soi, le travail, gérer l'église, les familles, etc. Mmh. Mais ça va, Dieu fait grâce. Et comme l'a dit ma sœur, on sort d'un week-end de retraite et c'était vraiment amazing. C'était vraiment le feu. Le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Au travers son serviteur également, parce que c'est lui qui nous a bénis au travers ses enseignements et autres. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est important parfois de prendre des temps de retrait, d'aller se ressourcer, d'aller puiser la force auprès de notre Père et revenir à la charge face à nos habitudes, face aux routines, face au travail, tout ce qui se passe, et être d'attaque en fait. Et surtout que là, on est entré là dans le mois de novembre, il nous reste 2 mois avant la fin de 2024. Et faut être d'attaque pour ces 2 derniers mois. Donc je vous invite vraiment, internautes, à prendre un temps vraiment de retrait, se ressourcer auprès de Dieu, ça fait vraiment du bien. La retraite, c'est pas réservé uniquement à toute l'église où c'est des choses qu'on doit faire avec beaucoup de personnes. Vous pouvez aussi prendre ce temps où vraiment vous êtes en retraite personnelle, où vous allez vous enfermer, aller chercher Dieu, chercher à connaître sa volonté, aller puiser la force auprès de lui, parce que c'est lui qui nous maintient en vie, c'est lui qui est notre air, notre oxygène, c'est lui qui renouvelle nos forces chaque matin, ses bontés chaque matin. Et vraiment, n'hésitez pas vraiment à le faire. En tout cas, nous, on l'a fait. Et aujourd'hui, nous sommes en forme et on est prêts à attaquer cette nouvelle semaine, attaquer le mois de novembre. Et puis, le Seigneur est avec nous. Donc, voilà. Amen. Effectivement, comme Philippine l'a dit, nous sortons donc d'une retraite. Bon, vous pouvez voir que ça ne se résume pas simplement aux émissions EFATA. Donc l'église bouge. Donc nous avons aussi des fois des temps donc de communion fraternelle, d'agape, donc également de retraite. Mm-hmm. Mais c'est pas simplement les émissions. Je pense que vous l'avez remarqué, même entendu, qu'il y a une petite mélodie qui nous accompagne. Yes. Parce que nous sommes accompagnés d'un pianiste. Non. D'une pianiste. Ah oui. Donc, que je vais pouvoir laisser nous donner un petit mot, une salutation. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis la sœur Ruth et je suis heureuse de pouvoir me joindre à vous pour cette émission. Bonsoir Ruth. En tout cas, nous aussi, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Et quand j'entends en fait ta mélodie là, ça pousse à entrer davantage dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'accompagner à pouvoir prendre un temps de prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur? Merci. Vous aussi qui nous suivez, vous pouvez tout simplement vous concentrer, fermer les yeux là où vous êtes et nous accompagner avec ce chant-là. Saint-Esprit. Que tu te disposes là où tu es. Même si tu suis cette émission, que tu es dans le train, que peut-être tu es en train de te préparer ou que tu es dans ta voiture ou posé tout simplement dans ton salon en train de regarder à la télé, que tu puisses prendre ce temps avec nous, que tu disposes ton cœur, que tu disposes tout ton être afin de pouvoir glorifier le Seigneur et demander encore au Saint-Esprit qu'il puisse préparer ton cœur à recevoir encore cette parole, cet enseignement qui pourra te faire du bien ce soir et qui va pouvoir t'instruire, te corriger. Que vraiment l'Esprit de Dieu puisse prendre place encore au milieu de nous. Yes. Nous déclarons que ton esprit est en ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus
assoiffé de voir le roi des rois. Oui, prends la place, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place en ce lieu. Prends la place en ce lieu. Prends toute la place. Oui, prends toute la place. Prends, prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends toute la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Oh, dans nos pensées. Prends toute la place. Oui, prends la place, Jésus. Jésus, que tu prennes la place, Jésus, que tu prennes la place, prends la place, prends toute la place, oui, prends toute la place, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux encore ce soir, Papa. Nous tenons, Seigneur, dans ta présence éternelle. Nous voulons tout simplement que tu fasses en sorte ce que tu veux. Que tu fasses encore ce que tu prévois de faire, car nous venons encore assoiffés. Assoiffés d'entendre encore ta parole ce soir. Nous venons encore assoiffés d'être, de vouloir être instruits encore au travers encore ta parole. Alors, Esprit de Dieu, prends la place au milieu de nous. Que là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu puisse encore prendre la place encore là où tu es. Que réellement l'atmosphère puisse encore changer et que l'Esprit de Dieu puisse encore prendre place au-dedans de toi, qui prennent également la place, que tout ton être soit disposé, qu'il prenne la place dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton être entier, afin que tu puisses encore ressortir de cette émission en étant recouvert, que tu puisses encore avoir cette force, que tu puisses encore recevoir quelque chose qui vient de la part du Père. Yes, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Nous attendons totalement à toi. Tu fasses ce que tu veux. Yahweh. Que le Saint-Esprit puisse remplir l'endroit où vous vous trouvez. Que ce soit dans votre voiture, dans votre chambre, dans votre salle. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir et faire ce qu'il veut. Afin qu'il puisse toucher et puisse déposer ce qu'il a prévu pour vous. Qu'il puisse encore déclencher des choses. Qu'il puisse encore activer des choses. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses faire ce que tu veux au milieu de nous, Jésus. Nous te remettons tout entre tes mains, Adonai. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Nous te remettons ces temps entre tes mains. Nous osons croire, Jésus, que tu vas pouvoir encore nous révéler des choses, que tu vas pouvoir nous donner les rémas de ton Logos. Agis encore puissamment au milieu de nous, Adonai. Je remets ton serviteur, Père, que tu puisses le remplir, que tu puisses l'inspirer afin de pouvoir déposer quelque chose de nouveau sur nos cœurs. Que nos cœurs encore soient des terres fertiles afin de pouvoir produire. Je te le remets entre tes mains, Seigneur, et je te remets ce temps entre tes mains, Jésus. C'est dans ton Saint-Nom, Père, que nous avons ainsi prié. Amen. Bon, dans cette ambiance, sous cette atmosphère, nous saluons le Saint-Esprit. Et sans plus tarder, je vais laisser encore notre Père, l'apôtre Alain, pouvoir nous accompagner dans ces temps d'enseignement. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur dans cette atmosphère de gloire. Yes. Nous voulons simplement partager un moment après un week-end de retraite. Nous ne serons pas longs. Mais plus les jours passent, par rapport à mon expérience personnelle dans la vie chrétienne,
je réalise que ta connaissance s'augmente. On voit aussi la mort s'approcher. Hein. Quand bien, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent. Mais je l'ai toujours dit quand j'enseigne par moments à l'église, quand nous chantons « Joyeux anniversaire », il y a une partie qu'on ne peut pas rappeler. La mort s'approche. Parce que plus on a un an, on s'approche de la mort, on ne se rend pas compte. Et moi, je commence à les sentir dans mes muscles que je n'ai plus 20 ans. Et du coup, l'expérience avec les seigneurs, on réalise que ce n'est pas pour rien que Dieu disait « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous savez, quand on examine ça, c'est lui qui a dit « Mon peuple périt. » Ce n'est pas un ange, mais c'est le Créateur lui-même. Yes. C'est lui qui nous a fabriqués. C'est lui qui dit « Mon peuple périt. » Donc, on peut tout en étant être son peuple ou son enfant et périr. Amen. Parce qu'il a créé le monde, il a créé la nature, il a créé des lois, il nous a installés. Et vous allez vivre selon les lois établies. Maintenant, quand on est à côté de ça, le verset s'applique. Que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. La Bible dira, dans Jean 8, 32, nous connaissons par cœur, la Bible dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons une dimension, nous chrétiens, qui est une dimension du royaume. Amen. Mais nous ne vivons pas selon la dimension du royaume. Nous vivons comme des terrestres. Nous vivons comme des charnels. Or, nous sommes des esprits qui vivent dans un corps. Yes. Et notre dimension, elle est spirituelle. C'est pour ça que vous remarquerez, même soit à l'émission passée ou celle d'avant, on parlait que la bénédiction elle-même est spirituelle. La Bible dit, Dieu nous a bénis dans Éphésiens 1, 3, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Yes. Et je disais que la bénédiction ne peut pas être terrestre. Mais le fait de la bénédiction impacte notre physique et qui se voit. Mais la bénédiction en soi, elle est spirituelle parce que nous sommes spirituels. Mais ce qui nous pose problème, nous avons du mal à vivre dans la dimension spirituelle. Nous devons travailler et vivre dans la dimension spirituelle. Et c'est ça le niveau où Dieu nous attend. Au jour d'aujourd'hui, si un chrétien veut vivre la parole, veut vivre tout ce que Dieu dit, il est conditionné de collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu à un moment donné, Dieu conduit, dirige le monde lui-même. La Bible dit que la terre était libre, l'Esprit de Dieu s'est mouvait. Yes. Après, il y a Dieu lui-même avec le peuple. Mais à un moment donné, quand Dieu se mettait en colère, la terre s'ouvrait. Et les gens étaient engloutis. Et le Seigneur voyait que je ne peux pas continuer comme ça, sinon je vais exterminer ce peuple. Il commençait à préparer l'arrivée de son fils. Et comme je vous ai dit dans l'émission passée aussi, les fils étaient là parce que le Père a donné, les saints, les fils aussi en son tour a donné. Et le Saint-Esprit a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit aussi a donné. Il a donné aussi des serviteurs. Et dans les donnants, qu'est-ce que ça nous amène de comprendre que la vie chrétienne aussi, c'est du donnant-donnant. Amen. C'est des choses qu'on ne se rend pas compte, on dit, mais... Alors moi je vois... Quand je lis les anciens, les héros, qu'on appelle les héros de la foi, certaines personnes dans la Bible, ils ont vécu différemment de nous. Les niveaux où ils ont tous atteint de la spiritualité, de la bénédiction, nous ne l'avons pas encore atteint. Et il y a un écart considérable. Parce que eux, dans leur époque, nous trouverons quelqu'un qui va dire comme Paul, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » De nos jours, c'est nous qui vivons. Hein, c'est ça. De nos jours, on parle plus de nous, moins de Dieu. C'est ça. De leur époque, on parle plus de Dieu, moins des hommes. Mais apôtre, à l'époque, au jour d'aujourd'hui, moi je sais que j'ai déjà entendu des jeunes dire que mais avant ils n'avaient pas les tablettes, avant ils n'avaient pas Internet. Oui, mais ça c'est l'évolution du temps.
ils n'avaient pas Internet, mais laissez-moi vous dire, j'étais mis avec le Saint-Esprit à l'époque qu'avec un portable aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Le Saint-Esprit, on allait quelque part, on dit Saint-Esprit, aidez-nous, nous voulons voir clair. Il était notre GPS. Il était notre carte. Il était tout. Mais aujourd'hui, nous consultons moins le Saint-Esprit parce que nous avons dit l'assistance. Or, cette assistance, c'est ça qui nous détruit. Parce que c'est une assistance, créée par de maîtres d'hommes. Et il y a des intérêts derrière. Oui. C'est profond. Il y a des intérêts derrière. Vous savez, même quand on parle du réseau social, les gens qui sont à la base de ces choses, ils disent, nous regrettons comment la situation nous a échappé. Nous ne l'avons pas fait comme ça. Mais aujourd'hui, nous ne maîtrisons plus. Et au départ, ça a été fait pour contrôler, mais là, ça dépassait les contrôles. En fait, je pensais par rapport à ça, ce qui m'a amené qu'on puisse parler d'un thème, les semences des 12 criches. Les semences des 12 criches. Quand je dis les semences des 12 criches, les personnes du temps ancien ont semé, ont servi Dieu, ont vécu l'abondance. La Bible dira, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité, mendiant son pain. Christ et lui-même, Satan va lui dire, si tu es réellement le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pierres. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. On voit que l'intérêt du Christ, ce n'était pas le corps, ce n'était pas le physique, c'était d'abord le spirituel. Oui. Oh, de nos jours, il y a le côté spirituel. Même quand un serviteur de Dieu agit, il y a un peu de lui. Oui. Il y a un peu de lui, mais on n'a pas atteint les dimensions ou la richesse que les autres ont atteint. On va prendre un exemple avant qu'on rentre dans notre thème, par exemple. Est-ce qu'on peut lire rapidement Job chapitre 1-1? On peut y voir jusqu'au verset 2 ou 3. Excusez-moi pour cette parenthèse. Celui qui trouve le premier peut nous lire ça. Je pense simplement, à titre d'exemple, hein, c'est même pas notre thème, c'est juste pour éclairer un peu. Job, chapitre 1er. La Bible dit, je peux me permettre de faire la lecture. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Là, ça va durer. Regardez, cet homme était intègre et droit. Et il craignait Dieu. Et se détournant du mal. On est en train de dire, regarde comment on est en train de séparer les choses. Cet homme était intègre. Nous, aujourd'hui, si tu es intègre, on dirait cela suffit. Mais lui, on dit il était intègre. On rajoute, il était droit. Après, craignant Dieu. Quatre, se détournant du mal. Vous ne voyez pas que ça fait trop. Tu peux être intègre, oui. Mais craindre Dieu, ok. Se détournant du mal. Après, il était droit. Nous, soit je suis intègre, je ne suis pas droit, soit je suis droit, je ne suis pas intègre. Jean-Bu, il avait 4 sur 4. On a 2 sur 4. Droit, intègre, craignant Dieu, et c'est détourné du mal. Aujourd'hui, tu vas voir un serviteur dédié à fond qui craint Dieu, qui est intègre, mais qui vit dans le mal. Désolé, ça fait choquer. On peut trouver un grand serviteur dédié, droit, intègre, craignant Dieu, qui s'est détourné du mal, mais il va manquer le quatrième des jours. Et non simplement il y a ça, la Bible dit, à partir du verset 3, il possédait combien? 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était l'homme le plus considérable. Tous les fils de l'Orient. Il était l'homme le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Mais si on veut voir à cette époque-là, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux,
Vous savez, les chameaux à l'époque, c'est eux qui tournaient la terre. De nos jours, c'est des bulldozers, c'est des machines. Parce que les chameaux étaient loués, on les rattachait comme des charrettes, ils tournaient la terre. Donc, Job avait combien? Combien de chameaux? 3000 chameaux, ça fait combien de tracteurs? De nos jours, tracteurs. 3000 tracteurs. 3000 tracteurs. Et c'est pas ça. Et 500 paires de bœufs. Donc de bœufs, ils étaient 500 paires, ce qui veut dire 1000. Or, quand on attache le bœuf, c'est eux qui tournent la terre. De nos jours, c'est des machines d'agriculture. Et puis, on va nous dire aussi, et un très grand nombre de serviteurs, et 500 ânes. Et il avait aussi possédé 7000 brebis. Il y a des 4-4 aujourd'hui. Job avait tout ça à l'époque. Mais avant d'avoir tout ça, il craint Dieu, intègre, et puis droit, se détourna du mal. Regardez les genres de bénédictions. On peut dire que c'était simplement Job, mais les hommes anciens, c'était comme ça. C'est pour ça que quand je compare de nos jours, ça n'a rien à voir. Et quand je parle les semences des 12 griches, c'est cette dimension spirituelle qui nous manque. Qu'un chrétien qui vit dans la dimension spirituelle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut nous choquer encore. Vous savez, par moment, quand on fait l'émission, c'est des choses qu'on ne prépare pas. On peut préparer, mais là, tout de suite, par exemple, je vois le Saint-Esprit me dire des choses que je suis en train de... Job n'était pas prévu dans mon texte. Et ce que je suis en train de dire, il y a d'autres qui arrivent, je dis, mais Seigneur, je dois parler ce que j'ai à dire ou pas. Comment, Saint-Esprit. Et quand on voit Job avec tous ses biens, la Bible va nous dire, est-ce qu'on peut lire un verset? Aïe, 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 nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 28. Ça, ça me traverse la tête. Je dis, oh, il y a un problème dans notre système d'aujourd'hui. Luc 7, 28. Celui qui a trouvé peut lire. Philippe, tu vas le lire dans ses mères. Et puis Léa, tu vas le lire dans lui, c'est bon. On y va. Donc Luc 7, verset 28, je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas. Attendez. Je vous le dis, parmi... tous ceux qui sont nés des femmes. Il n'y en a point de plus grand que Jean. Il n'y en a point, oui, de plus grand que Jean-Baptiste. Arrête-toi un peu là. Parmi de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Entre Abraham, père Abraham, et Jean-Baptiste, qui est le plus grand? Abraham. Okay. Entre Esaïe le prophète et Abraham, qui est le plus grand? Je ne vous demande pas qui est le plus vieux. Qui est le plus grand. C'est pour ça, quand vous avez dit Abraham, je n'ai pas voulu vous dire que ce n'est pas bon. On dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Abraham est né d'une femme et d'un père. Ésaïe est né d'un homme et d'une femme. Jean-Baptiste lui-même est né d'un homme et d'une femme. Mais la Bible dit dans le monde, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Vous rendez compte? Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc des Job là, comme ils sont plus considérés là. Mais il n'y a personne qui était comme Jean-Baptiste. Lisez la suite du verset. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste parmi tous ceux qui sont nés des hommes. Mais, la Bible dit, le plus petit dans le royaume, dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Et nous sommes du royaume. Abraham, notre père, le père de la foi, né d'une femme. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Comment? Ni de la femme, ni des hommes, mais de Dieu. Alors nous, nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la femme. Biologiquement, physiquement, je suis né de l'homme et de la femme. Mais quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne suis plus né des hommes. Mais je parle de la nouvelle naissance. Non, je suis plus vieux que Job. Je suis censé de briller 10 fois plus que Job. Parce que Job n'était pas fils du royaume. Jean-Baptiste, c'est celui qui a clôturé l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été clôturée par Jean-Baptiste. Parce que même lui, Jean-Baptiste, qu'on dit il est plus grand, il n'était pas fils de Dieu. Apôtre, là, tu nous révèles les choses. Mais Jean-Baptiste n'était pas fils de Dieu. Il était dans l'ancienne alliance. La Bible est en train de dire, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés ni de l'homme, ni de la femme, mais de Dieu. Et quand on est né de Dieu, nous sommes des citoyens du royaume. Amen. Notre dimension de vivre, d'être, doit atteindre le niveau du royaume, le niveau céleste. Donc, je suis plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que l'homme le plus considéré de l'Orient. Mais quand on voit ma vie, je suis éloigné de l'homme de l'Orient. Je ne sais pas si ça passe. Si, c'est là quand je réfléchis, je dis, Seigneur, tu nous amènes où? Seigneur, on va où? Comment je suis 2-3 fois plus que l'homme le plus considéré de l'Orient, mais nous avons du mal à payer la salle? Comment nous sommes plus considérés que l'homme de l'Orient, mais il se passe trop de choses entre nous? Parce que nous n'avons pas encore atteint notre dimension spirituelle. Nous devons opérer dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça que je dis, sans le Saint-Esprit, il est quasi impossible de travailler dans la dimension et opérer dans la dimension de Dieu. C'est pour ça que vous avez certaines personnes et qui disent que moi, j'opère dans la dimension de Dieu, je quitte dans mon corps et je vais en Suisse, je reviens sans pour autant aller physiquement. Ils n'ont pas tort, je ne suis pas en train de prêcher la sortie du corps. Mais ils ont développé certaines choses. Seigneur, merci. Il y a des choses qui arrivent. Quand... Vous savez, je peux vous dire certaines choses. Avance. Vous savez, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais le diable a été au ciel. Il a vécu avec Dieu. Et la Bible dit par Moïse, tous ceux qui sont révélés sont pour nous. Ceux qui sont cachés sont acquis à l'Éternel. Mais les gens qui sont dans l'occultisme sont plus avertis que nous. Pourquoi? Parce que les diables leur disent ce qui était du ciel. Et les diables leur permettent de faire certaines choses qui nous est interdites. On va voir des gens qui sont allés invoquer l'esprit de Samuel. Ils ont fait des invocations, Samuel est sorti. Et Samuel en sortant, il dit, pourquoi tu m'as dérangé dans mon repos? Mais nous, ils nous ont interdit d'invoquer un mort. Mais les gens, donc, ils disent, ils ont l'autorisation par l'information que les diables leur donnent. Or, nous, la Bible dit, ceux qui ne sont pas révélés ne sont pas à vous. Ils les connaissent avant nous, malheureusement, leur fin, c'est l'enfer. Donc, pour dire que il y a des choses, nous devons l'atteindre seulement si nous nous considérons comme des citoyens, pas du monde, mais du ciel. Amen. Comme des célestes. Alors, c'est pour ça que quand je disais les semences des 12 cruches, aujourd'hui, quand on parle de semences à l'église, on voit que l'argent. Et on voit que l'enrichissement des hommes de Dieu. On voit que l'enrichissement du pasteur. Or, le problème, les semences, ce n'est pas le problème d'un pasteur. Nous allons prendre un passage dans la Bible. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Genèse 8, 20, 22. Philippine peut lire dans Semer. Et nous, on va lire dans lui, second. Oui, Léa, prépare-toi. C'est Genèse 8.
20, 22. Philippine commence. Summer, du coup. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 8, du verset 20 au verset 22, amen. Et en version Summer. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme. » Puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants que je viens de faire. Aussi longtemps que durera la terre, semaille et moisson, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Sœur Léa, on y va. Je lis la parole de Dieu. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Je prends simplement le verset 22. Voyez comment l'offrande est en train de changer Dieu. L'offrande a fait parler les seigneurs. Je suis en train de dire, si tu veux prendre quelqu'un dans une bonne ambiance, organisez un repas. C'est vrai. Faites appel à lui. Discutez de tout et de rien. Tout va sortir. C'est. Et la Bible nous dit que Noé, il a bâti l'autel. Et puis, il a donné à Dieu les oiseaux purs, les animaux purs. Le verset 20, 22, Dieu dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit, ne cesseront point. » Ça, c'est Dieu qui a juré. Tant que la terre subsistera, le loi de la semaille restera. Comment voulez-vous, aujourd'hui, quand on parle de la loi de la semence, on dit c'est pour enrichir votre pasteur. Vous remarquerez certaines personnes qui sont riches partagent avec les autres. Ceux qui sont riches, ils nourrissent des associations caritatives et ils ont des aides, ça et là. Mais les chrétiens, quand il a le peu, là, ils ne partagent pas trop. Parce que nous ne connaissons pas la loi de la semaille. Dieu dit, tant que la terre subsistera, c'est-à-dire vous boudez pas, la semence existera. Amen. Et la Bible nous dit, Dieu a créé toutes choses et mettant sur la chose, sur tout ce qu'il a fait, la loi de la production. On mange l'avocat, on prend le noix, on met par terre, il produit. Tout ce qu'on fait. Et c'est ça, quand on voit dans le domaine de la dîme, c'est comme si on te donne l'avocat, tu as mangé et tu manges le noix. Prochainement, tu n'auras plus d'avocat. Si tout le monde faisait ça, je mange la chair d'avocat, je mange aussi le noyau, il n'y aura plus d'avocat. Or, quand on mange, il faut savoir, il faut encore le noix, le remettre sur terre pour que ça pousse. C'est ça que nous appelons dîme qui pose problème. Et ma prédication d'aujourd'hui n'est pas basée sur la dîme. Mais la Bible dit, tant que la terre subsistera, je suis en train de dire à quelqu'un, d'accord ou pas avec moi, la loi de la semaille existera toujours. C'est dit donnant, donnant, je dis avec Dieu. Mais les gens pensent que Dieu est là en train de pleurer, de supplier. Pour Dieu, on dirait, si vous ne me donnez pas, on va lire un verset que j'aime rajouter tout le temps, des Chroniques chapitre 15. Verset 1 à 2. La série, tu peux nous lire? Des Chroniques, chapitre 15, 1 à 2. Voyez bien ce passage, ce que dit la Bible. Dès que tu es prête, ma sœur, tu peux nous lire. Verset combien? 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans la version du Semeur.
L'Esprit de Dieu saisit Azaria, fils d'Obed, qui s'avança à la rencontre d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, vous tous les Judéens et les Benjamites. L'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. » Ah là là, on peut lire ça. Deuxième verset. On y va à 8 secondes. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi. » Écoutez-moi. Asa. Asa. Et tout Juda et Benjamin. Et tout Juda et Benjamin, des tribus. On y va. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec lui. Après. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Écoutez la dernière partie. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Caca. Quand il dit si vous l'abandonnez, ils vous abandonneront. Nous avons tendance de penser, non, même là-bas, ils demandent beaucoup de dîmes. Je ne viendrai plus. Reste avec ta dîme. L'Éternel reste éternel. Amen. Je ne veux plus aller là-bas parce que là-bas, on parle trop d'argent. Tant que la terre subsistera, les lois de la semaille existeront. Yes. Amen. Et Dieu dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Mais qu'est-ce que les gens pensent? Si on abandonne Dieu, quand on va revenir 7 ans, 3 ans, 10 ans, après, on dirait le Seigneur continue avec toi. Non, il va reprendre avec toi au même endroit que tu avais abandonné. Donc tu es perdant ou perdante, quel que soit. Il te dit, ben, est-ce qu'on peut reprendre là où tu m'as laissé là? Comme ça, on va faire la suite. Et ça, c'est ça Dieu. Et dans la loi de la semaille, quand je parle, le semence des 12 griches, je vais vous expliquer ce mystère qui est là. Vous allez voir une histoire que nous connaissons très bien, nous tous. C'est l'histoire d'un homme, Élie, de Tishbite. Et nous connaissons cette histoire, les textes sont tellement longues. Et on va voir là, quand on voit Élie, qui va ordonner, il ne va plus pleuvoir dans le pays. On peut le lire dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. 1 Roi, et la sœur Philippine va me préparer 1 Roi 18, mais dans 8 secondes je préfère. 1 Roi 18, 21, 23. La sœur Rite va me prendre Genèse 26, 1, 5. Ce sera des textes pour la fin, comme je disais qu'aujourd'hui on ne prendra pas beaucoup de temps. Alors on commence avec 1 Roi 17, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voilà la dimension, la hauteur, la capacité des personnes que je suis en train de dire, qui ne vivaient pas selon le royaume. Il est vivant, il est ressuscité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu t'amène. Amen. Pas de PC. Ah, Jésus. Ma sœur, lève-toi, je suis en train de voir. Je vois, il n'y a pas de dimension. On voit un homme de qualité d'Élie en train de dire, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelle considération! Mais nous sommes du royaume, on n'ose pas faire ça. Et Élie, quand il le dit, il n'y a pas eu de pluie trois années. Si, si. 3 ans, il ne pleut pas. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que l'eau ne s'évaporait plus? Mais il y a l'homme de Dieu a parlé. Nous, on dit aujourd'hui, quand l'homme de Dieu a parlé, et celui qui n'est pas d'accord avec ma vision dehors, on ne parle pas de la vision, papa. Relax. Relax, frère. Relax. On est entre frères, relax. Et ici, Élie a donné l'ordre. Et il n'y a eu plus de pluie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Même au moment donné, Achab se marie avec Jézabel. Et Jézabel commençait à menacer. Et il a ramené d'autres dieux étrangers. Élie s'énerve tellement, il dit, on ne peut plus continuer comme ça. On va prendre un verset
1 Roi 18, verset 21. Donc 1 Roi 18, chapitre 21, oui. Au verset 23, je lis la parole de Dieu. Lis simplement 21 d'abord. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà le même personne qui a dit, il n'y aura plus de pluie. De l'autre côté, l'homme le plus considéré. Je dis, ce ne sont pas des gens du royaume. Et ici, il dit, il a trouvé que tellement Jézabel a ramené un Dieu étranger, c'était trop compliqué. Il a dit, mais nous, on n'est pas comme ça, ça, ce n'est pas notre Dieu. Et il s'énerve. C'est pour ça qu'il y a des versets dans la Bible qui étaient dits en colère qu'on ne se rend pas compte. Si. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est comme la cloche qui sonne, ça fait mal à gauche, mal à droite. Il dit, vous, vous êtes dans le monde, vous êtes avec les dieux étrangers, vous êtes avec les dieux divins. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Par moment, vous êtes avec Baal, par moment, vous êtes avec les dieux d'Israël. Il dit, bon, on va mettre fin à ça. Il dit, rassemblez-moi tous les 450 prophètes de Baal. Et, est-ce que tu as continué la lecture? Je continue, donc, verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Alors là, Élie s'est énervé pour dire, nous voulons mettre fin, savoir qui est qui. Il dit, allez, on va se rassembler, nous tous. Il dit, amenez-moi les taureaux sans le feu. Préparez, faites ce que vous voulez. Vous connaissez par cœur cette histoire. Il dit, on va prier. Le Dieu qui descendra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Mais ce n'est pas un homme du royaume. Il est moins que Jean-Baptiste. Et nous, nous sommes plus que Jean-Baptiste parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des citoyens du royaume. Vous savez, il y a un cantique qu'on chante. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Il y a une strophe qui dit, en ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. Nous sommes des citoyens célestes avec des pensées terrestres. C'est pour ça que nous n'avons pas de résultats. Et le peuple se sont réunis. Tout le monde était là. Il faut que, qu'on puisse voir qui est qui. Et ça, je vais vous épargner le long texte, mais c'est dans tout 18. Et on va voir à partir du verset, on va dire, à partir du verset 27. On nous dit, on y va sur Philippines. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'ils avaient été renversé. D'accord. Là, maintenant l'ère d'Élie arrive. C'est là où nous voulons rentrer dans les sémences de 12 cruches. Quand Élie arrive, Élie, la première des choses, il commence par rebâtir l'autel qui a été renversé. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un rebâtissement des autels. Il faut commencer à rebâtir l'autel. Et écoutez maintenant, Élie fait des choses d'après les principes de Dieu. Verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. L'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Mais quand nous regardons bien dans cette histoire, si on parle de Jacob, Jacob est le fils de
Isaac. Isaac est le fils de Abraham. Et Dieu a commencé avec Abraham. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous pouvons avoir des prophéties aujourd'hui. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent voir la prophétie s'accomplir que par lui. Mais lui, il s'est dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la même prophétie qu'il a donnée à Abraham, il est en train de l'accomplir à Isaac, à son fils Jacob. Et il est allé même au petit-fils de Joseph, tout consort. Certaines prophéties que nous recevons aujourd'hui, les hommes de Dieu nous donnent comme prophétie à l'église, n'est pas simplement s'arrêter là où notre nez s'arrête. Yes. C'est pour toute une famille. Et Élie, au verset 22, il dit, il a réuni les 12, il dit, comme l'Éternel, il dit, l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Maintenant, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. Je vais vous donner l'exemple. Un autel de deux mesures. En fait, quand on fait la semence, on met ici. On ne peut pas mettre tout de suite. Il faut qu'il y ait l'écart, peut-être de 10 cm. C'est ça qu'on appelle mesure de semence. Et lui, il prend deux mesures de semence. Donc, il prend presque 20 cm. Ça, c'est le fossé qu'Élie a creusé. On dit que nous sommes à quel verset? 33. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Et puis, il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Premier cruche. Remplissez d'eau combien? 4 cruches. Les gens, ils disent, Élie, t'es malade. Nous sommes en plein sécheresse. Qui a fermé l'eau? Élie. Qui a dit il n'y aura plus de pluie? Et comment tu peux oublier qu'il n'y a pas d'eau? Tu nous demandes combien? 4 cruches. Sœur Philippine, on continue la lecture. Verset 34. Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur le holocauste et sur le bois. Après, quand ils ont ramené 4, ils ont, au lieu de boire, de faire non, ils l'ont versé sur les holocaustes et sur le bois. On continue. Il dit, faites-le une seconde fois. Ah. Et ils le firent une seconde fois. Attends, quand tu dis faites-le une seconde fois, combien de cruches encore? Donc 4 encore. 4 encore. Et les mamans qui étaient à côté se sont consultées. Élie, ici, nous sommes venus pourquoi? Le feu. Dans nos églises, feu. Il dit, Élie, feu. Arrêtez de nous demander de l'eau. On parle là, du feu c'est ici. Difficile. On ne sait pas où on va l'avoir parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a fermé l'eau. C'est toi. Si, si. Élie, l'eau. Il dit, le feu, arrêtez-nous l'eau. Et après? Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Ça fait combien de cruches? Ça 12. Fait 12. Et quand je parle des semences des 12 cruches. Nous sommes dans les semences des 12 cruches. Élie, le problème, c'est faire descendre l'eau. Le feu. Et pardon, le feu. Élie demande de l'eau. Au lieu de demander un seul, il demande combien? 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Comment? Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux s'aimer pour les enfants que tu n'as pas encore vus. Yes, yes. Tu peux commencer sur les enfants que tu n'as pas encore vus. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. Si tu commences à s'aimer aujourd'hui, je ne dis pas qu'Arigi est un pasteur. Je te dis, tu commences à faire les semences pour tes arrières petits enfants qui viendront. Ils ne viendront pas vivre dans la galère. Parce que leur arrière-arrière-grand-mère a déjà fait des semences. Il a fait pour 4. Après, on continue. Au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. L'eau remplit aussi le fossé. Après? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. » Écoutez la prière d'Élie. Éternel, il revient sur les dieux de leur père. Les dieux d'Abraham, pas les dieux d'Élie. Les dieux d'Abraham, que l'on sache que tu es Dieu. C'est comme si moi je suis un peu faux, si avec moi il peut avoir des ratés, mais tu as eu l'alliance avec un homme qui s'appelle Abraham. Il dit les dieux d'Abraham, qu'on le sache, il élève Dieu. Qu'on le sache que tu es Dieu. Je suis Dieu. Après en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Ça, c'est le côté qui me touche. Il dit,
je suis en train de faire toutes ces choses selon ta parole. Même quand je demande 12 griches, c'est selon ta parole. Quand je suis en train de demander 12 griches, c'est là où il y a les sémences, le mystère des 12 griches. Les femmes ont boudé, les gens ont dit, Eli, il n'y a pas d'eau, il dit, ramenez 12. Suivez-moi bien, je vais chiter. On continue. Verset 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est dit. Le feu est descendu, a consumé tout ça. Ça, c'est lui dans quel verset? 8 secondes. Lui, moi, un peu dans verset, version sommaire. Juste la, le verset qu'il a absorbé l'eau. Je mets les paroles vivantes. Tu peux retrouver ça? Oui. Juste le verset... C'est le verset 38. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. D'accord, il réduisit l'eau en vapeur. Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Le feu avale aussi l'eau du fossé. Avale. Dans la langue portugaise, on dit le feu. On dit Dieu a léché l'eau. C'est-à-dire, tout s'est fait. Mais on est en train de dire où est parti le bois, où est partie la viande, où est parti. Et quand il s'est resté l'eau, dans lui, c'est qu'on dit ça a évaporé, c'est tout. Mais là-bas, on dit. C'était quoi ta... Dans 8 secondes, ça a séché. Et dans semeur, c'est parti en vapeur. C'est parti en vapeur. Et chez toi, là-bas, c'est... On dit ça avale. Ça avale. Dieu a avalé. Avalé. Le problème, c'est... Il fallait que les criches soient semées. Et je vais vous lire le verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie dit au verset 40, c'est ici les prophètes de Baal. L'air dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent des Kishons où il les égorgea. Écoutez ce qu'il dit Élie au verset 41. Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il ne sait, mais, car, pardon, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Est-ce qu'il y a eu la pluie déjà depuis combien de temps? Trois ans. Sinon, à ma parole. Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et cependant contre terre, il mit son visage entre ses deux genoux. Élie priait maintenant ici la tête entre les deux genoux. La position est bizarre. Très bizarre, mais c'est la position, c'est ça qui cache le mystère. Il a dit, il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Maintenant, les problèmes, Élie, quand il commence à prier de cette manière, il dit à Acab, monte parce qu'il y aura la pluie. Acab, on dirait, Élie, tu as égorgé les prophètes, tu as tout fait, il n'y a plus de pluie. Or, maintenant, il fallait que la pluie arrive. Or, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas vous donner de l'eau si vous ne lui avez pas donné de l'eau. Avant que Dieu puisse te donner de l'eau, regardez Jésus devant la femme samaritaine. Il dit, donne-moi. Et moi, je vous donnerai des eaux. Donc, le problème que Jésus, il savait que il dit, je te donnerai l'eau qui ne finit jamais. Mais avant ça, donne-moi de l'eau. C'est du donnant de l'eau. Il dit, donne-moi de l'eau. Si tu veux donner de l'eau, je te donne de l'eau qui ne finit jamais. Et ici, Élie veut demander que la pluie tombe. Mais il dit, Dieu ne va pas faire tomber. Si nous, on lui donne pas de... Avant qu'on lui donne 12 criches,
si on met 4, c'est compliqué. Si on met 5, c'est compliqué. Comme les tribus sont 12, ils font 12. Voilà pourquoi nous disons les, là, c'est. Les... Vous savez, quand je vois ça, je dis ça, c'est ça. Quand je donne un thème, je dis le semence des 12 cruches. Maintenant, Élie commence à prier. Vous lisez dans tous ces versets, il dit, il prie, il envoie son serviteur. Allez-y voir dehors s'il va pleuvoir. Il dit, je ne vois rien. La Bible insiste, Élie lui a renvoyé sept fois pour avoir 7 fois. Vous savez quelle était la prière d'Élie maintenant? Seigneur, tu habites déjà l'air haut. Parce qu'on dit ça à avaler. Tu habites déjà l'air haut. Mais donne-le la pluie. Et à un moment donné, Akab, Élie dit à Akab, descends chez toi, vas-y. Pendant qu'il partait, la pluie est descendue. Et la pluie ne pouvait pas descendre si Élie n'avait pas donné. Parce qu'il fallait que Dieu absorbe l'eau. Il fallait que Dieu prenne ce qui a été donné pour en faire. Toi qui dis, quand vous donnez, vous êtes en train d'enrichir vos hommes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne fait rien si toi tu ne fais rien. Il veut donner de... Élie, c'est lui-même qui a fermé. Mais il sait que pour ouvrir, il faut qu'on lui donne ce que nous, nous en avons besoin. Maintenant, nous, on nous demande 30 euros. Je vais quitter cette église. Dieu dit, quitte, j'ai des enfants qui vont me donner 30. Mais c'est toi qui vas regretter. Le problème que nous ne sommes pas en train de se rendre compte, les gens ne sont pas encore morts en soi. Hein? Les gens ne sont pas encore morts spirituellement. Ils sont encore charnels. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'aimer. Ils ne connaissent pas les lois. Vous savez, Dieu, avec Abraham, il veut donner à Abraham des choses. Mais il a demandé, avant de nous donner Jésus, il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Yes. Et Dieu, quand il voit qu'Abraham donne le fils unique, il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Yes. Il y a déjà Abraham qui a été élu, choisi, le père de la foi, a donné le fils unique. Mais vous pouvez dire, Abraham avait plusieurs enfants, comment Dieu demande le fils unique? Nous avons les enfants d'Abraham et les enfants d'Abraham. Nous avons les enfants d'Abraham et les enfants d'Abraham. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Et dans la continuité, Dieu va lui dire, tu es Abraham. Après, quand il prend le nom Abraham, il aura Isaac. C'est pour ça que quand Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, je demande à Abraham. Pas à Abraham. Donc, il fallait qu'il y ait une identité qui puisse se faire. Jésus-Christ va voir Simon, il dit, Simon, fils de Jonas. Désormais, tu seras appelé Pierre. C'est quand il demande, au dit des hommes, qu'est-ce que vous dites? Simon Pierre lui dit, les gens disent que tu es, mais moi, et Simon dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand le Seigneur veut partir, il dit, Simon Pierre. Après, il dit, Simon, on peut le dire. Et c'est là où on va voir. Jean chapitre 1, verset 42. Sœur Philippine nous prend Jean 21, 15, 16. Et il y a un mouvement rapide, c'est là, parce qu'on a tout à l'idée de l'air, il ne fallait pas dépasser. Jean chapitre 1, verset 42, j'ai dit la parole de Dieu. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé comment? Pierre. Maintenant, arrivé vers la fin, le Seigneur veut mourir. Jean 21, 15, 16. Écoutez ce que Jésus dit. Tu lis la parole de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus dit à qui? À Simon Pierre. Simon, Pierre. Maintenant, il veut l'engagement. Il pose la question. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Est-ce que vous comprenez quelque chose qui se passe là? Avance. Simon, Pierre, fils de Jonas, il l'appelle au nom de Simon, il rajoute les pierres que lui, il a données. Maintenant, quand il veut l'engagement, il dit, Simon, fils de Jonas. Parce que
Pierre n'est pas le fils de Jonas. Comment? C'est Simon qui est fils de Jonas. Et le Simon là a trahi Jésus plusieurs fois. Il a retourné à la pêche. Il a fait tellement de choses. Et le Seigneur a compris qu'en lui, il y a deux combats. Il y a Pierre et il y a Simon. Maintenant, il faut que je lui demande. Simon, fils de Jonas, c'est lui qui t'embête là. Bien aimé, soyez bénis là où vous êtes. La réalisation est en train de nous montrer que nous avons atteint les limites de notre moment. J'aimerais bien qu'on continue, mais nous allons revenir à l'émission prochaine. Amen. Il y a des choses à dire, mais je ne veux pas rentrer à notre deuxième émission. Je vais remettre la parole à mon bien-aimé. Amen, 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 amen. Je pense que vous aviez été bénis en tout cas par ces nombreuses révélations. Et non, comme l'apôtre a dit, il y a beaucoup à dire, je pense. Et non, ça a donné faim. Donc, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On a été bénis. Merci beaucoup, apôtre. Merci Saint-Esprit, parce que tu l'as vraiment conduit là où il fallait. Et on repart de cette émission vraiment richement bénie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas vraiment à revoir l'émission afin de décortiquer chaque chose qui a été dite et même aller lire les histoires qu'on a pu énumérer là. Et franchement, oui, c'était très intéressant. Et vraiment, que Dieu te bénisse, apôtre. Merci Saint-Esprit encore une fois. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et comme nous avons commencé en adorant le Seigneur, j'aimerais également que nous puissions clôturer en adorant le Seigneur. Amen. Philippine, est-ce que tu peux nous aider? Amen. Alors que tu te disposes et que tu remercies le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence par rapport à cet enseignement que tu as reçu, que réellement tu puisses encore porter du fruit par rapport à cela, que tu puisses réellement comprendre la loi de la semence, que lorsque tu donnes, ne donne pas à contre-cœur, mais donne et que tu saches également que le Seigneur va te rendre cela, parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose, il l'accomplit. Alors nous voulons tout simplement reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es Yahweh, que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, et que lorsque tu commences quelque chose, papa, tu l'achèves. Alléluia, il n'y a personne qui est comme toi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Nous t'honorons, nous t'honorons.
de nous avoir instruits au travers de ta parole, au travers de ton serviteur, ton point que tu as choisi, afin de pouvoir nous inspirer encore ce soir. Je prie également que la personne qui nous suit, Seigneur, maintenant,